Yogurt. John Yogurt, agent secret au service de la reine. Je finissais de noyer mon ennui au fin fond d'un bouge de Tanger. J'en étais à ma 7e théière, lorsque soudain, tout à coup, un mystérieux billet laissé là par inadvertance et par la mystérieuse main d'une certaine Fatma me mit sur la piste de Fred Raibi. La personne que vous savez est à l'endroit que vous savez. Je savais que Fred Raibi était détenteur du microfilm de la European Banana Corporation, mais j'ignorais s'il lui-même le savait, vu que personne n'était au courant. C'était un sacré casse-tête. Je me devais de retrouver ces microfilms. Il en allait de l'avenir de la couronne. Mais c'était pas facile. Apparemment, personne n'était au courant. À moins que... C'est alors qu'entrait en scène la sulfureuse, envoûtante et néanmoins redoutable, Mata Orzi. Elle connaissait par cœur chaque recoin de la cinémathèque de Tanger. Elle pouvait ainsi m'introduire auprès de Fred Raibi, en me présentant comme un touriste tchétchène passionné de 7e art. Ces microfilms contenaient des informations secrètes de la plus haute importance, qui, en réalité, appartenaient au SCALP, une organisation secrète ultra pas connue. Ces microfilms, écrits, produits et réalisés par de jeunes espions pleins de talent, devaient se retrouver en compétition sur Facebook dans le cadre du festival Alakis Club 2012. Inutile de dire qu'on était sur un terrain brûlant. Mata aussi. Fred Raibi. Ça va, enfin. Comment vas-tu ? Très bien. Mais tu as toujours cette conjonctivite, hein ? Non. Je vous présente un touriste tchétchène. Yuri, tchétchène. Fred Raibi, enchanté. Ravi de connaître, monsieur. J'aimerais bien qu'on passe au salon. Le piège commençait à se refermer, mais dans ce lieu paradisiaque, j'étais loin de me douter que j'allais en être moi-même la victime et laisser ainsi filer 6 mois de filature qui partiraient en fumée dans un soupçon que me remit naïvement Fred Raibi, ignorant les talents de prestidigitatrice de Mata Orzi. Ce fut un grand kiff lorsque Fred Raibi me remit le soupçon contenant les microfilms. Ce fut un peu moins lorsque Mata Orzi, prétextant une envie pressante d'aller à Casablanca, disparut avec les microfilms cachés dans son sac. C'était, elle aussi, une sacrée maligne qui avait quelques heures de vol. Mata Orzi, agente secrète de père en fils depuis 1871. Que sont devenus les microfilms ? Qui était vraiment Fred Raibi ? Reverrai-je un jour la sulfureuse Mata Orzi ? Vous retrouverez les aventures de John Yogurt 00212 dans la saison 2 sur Spy TV, la chaîne qui ne vous montre pas tout, mais ne vous cache rien.